Good morgen, allez, Iden, les suisses, aujourd'hui, le lundi, je vais vous montrer le musulman, Nissim Ben Aouda, Sarah Patranachel, Shlomo Menester, Shlomo Nissim Ben Sarah. Si vous souhaitez vous aider d'une prochaine étude de Mishnah, contactez le 5 minutes éternelles. Nous étudions le Sirchat Menachot, Périgimel Mishnah Aleph. A Komet, c'est un mincha, l'échol d'avar, chez Endar Kol et Echol. L'Aktir d'avar, chez Endar Kol et Aktir, Kacher. Rabbi Eliezer Possel, l'échol d'avar, chez Endar Kol et Echol, ou l'Aktir d'avar, chez Endar Kol et Aktir, Pachot Mekazaït Kacher, l'échol Kachatizaït ou l'Aktir Kachatizaït Kacher. Shanachila ve'aktara mitzarfin. Mishnah très simple, on a déjà étudié exactement la même Mishnah dans Zvachim, Perek Gimel, Mishnah Gimel ou Dalet, quelque chose comme ça. Le principe, c'est-à-dire là-bas on parlait des Zvachim, on parlait des Korbanot qu'on égorge, et là on parle des Menachot, des Oblations. Succinctement, on continue avec l'interdit de Pigoul. L'interdit de Pigoul, c'est quoi? C'est chaque Korban ou Mincha, oblation, elle est délimitée par des limites de temps. Au moment où on fait la avoda, qu'on égorge le Korban, qu'on va asperger le sang, ou qu'on va prendre le comex de la Mincha, la pincée, et qu'on va la jeter au feu sur le Mizbeach, alors il ne faut pas avoir d'intention de manger la Mincha au-delà des limites de temps. D'accord? C'est le principe général du Pigoul qu'on développe maintenant depuis plusieurs Mishnayot en arrière. Maintenant, dans chaque mincha, ou dans chaque korban, il y a des éléments qui vont monter sur le misbéach, et des éléments qui vont être consommés par le propriétaire ou les kohanim. D'accord? Donc il y a ce qu'on appelle, ce qui va être les niktarim, les muktarim, qu'on va être maktirotam, on va les faire brûler sur le misbéach, et il y a les ne'echalim. Ok? Maintenant, le but de la Mishnah va être simplement qu'est-ce qui se passe si on va embrouiller les intentions. On va se dire que l'on va manger au-delà des limites de temps quelque chose qui est prédestiné au Mizbeach. Ou on va se dire qu'on va brûler au-delà des limites de temps quelque chose qui est censé être mangé. Donc, en l'occurrence, on parle d'une Mincha. Lorsque je prélève la pincée, l'échantillon que je vais amener sur le Mizbeach, lui doit être brûlé sur le Mizbeach. Le reste de la Mincha, il doit être mangé par les Kohanim. Qu'est-ce qui se passe si j'ai l'intention de le manger à lui, l'échantillon qu'on devait brûler sur le Mizbeach, j'ai l'intention de le manger demain. Ou bien, ce qui devait être consommé, j'ai l'intention de le brûler sur le Mizbeach demain. Est-ce que c'est une intention qui invalide le Korban ou non? Il y a en cela une discussion. Chachamim vont dire que oui, que ce n'est pas c'est une intention qui est nulle et non avenue, ça n'a pas de sens ce qu'ils pensent. Ouais, c'est pas... Avoir une mauvaise intention, il faut quand même un minimum d'intention. Mais quelqu'un qui pense à des bêtises, qui va, je sais pas moi, qui va se mettre à s'envoler, je sais pas, ouais, ça a aucune place dans la réalité, d'accord, c'est pas une intention qui est invalide. D'accord, c'est le principe de Chachamim. Et Rabbi Eliezer, lui, a un pasouk, il étudie par juxtaposition que la Torah, elle a dit, Vimachol yachel, mibesans zevar shalamav. D'abord, je traduis les mots plutôt. Je me la ferai un peu avant les bœufs, c'est pas bon. A Komet, c'est un mincha. Celui qui va faire le Komet, qui va prélever l'échantillon, donc, qui va prédestiner au Mizbeach. Aval, mais avec intention de l'échol d'avar chez Endarko, l'échol. Avec intention de manger ensuite, au-delà des limites de temps, quelque chose qui n'est pas censé être mangé. Donc, en l'occurrence, cet échantillon ou la levona, ça revient même. L'échantillon d'avar chez Endarko, l'échantillon. Ou avec intention de faire brûler sur le Mizbeach quelque chose qui n'est pas prédestiné à être brûlé au Mizbeach. En l'occurrence, le reste de la Mincha, les Shiirei Mincha, avec intention qu'il devait manger, donc il a l'intention de brûler sur le Mizbeach. La Mishnah m'enseigne qu'il est Kacher. Le Korban, la Mincha, elle est quand même Kshera, c'est pas une mauvaise intention. Comme ce qu'il nous dit le Bartenora, de Enzo Chashuva Marshava, c'est pas considéré comme une intention ça. De Batla Da'ato et Tzel Koladam, son Da'at, ses intentions sont annulées devant tous les... C'est une expression fréquente dans la Mishnah pour dire que c'est une intention qui n'a pas de sens. Tandis que Rabbi Eliezer possède, Rabbi Eliezer invalide. Deux choses. Premièrement, la source. Ça, il apprend ça du fait que... On a parlé qu'on peut faire le pigoule avec ce qui va être... avec intention de brûler ce qui va être brûlé, de brûler au-delà des limites de temps, ou de manger au-delà des limites de temps. Ça, c'est déduit du pasouk dans Vaïkra, qui me dit Veim he achol yachel mi bezar zevar shalamav. He achol yachel b'shtei achilot akatuv medaber. Le passage qui a parlé de deux consommations, la consommation par le propriétaire et la consommation par le misbéach.
c'est juxtaposé. Et Rabbi Eliezer déduit de cette juxtaposition que tu peux aussi embrouiller les intentions, manger ce qui, va être, ce qui doit être brûlé, manger au-delà des limites de temps ce qui doit être brûlé, brûler au-delà des limites de temps ce qui doit être mangé. Ça invalide malgré tout. Ça, c'était le premier point. Et le deuxième point, j'ai oublié ce que je voulais vous dire, ça va me revenir avec le temps, c'est pas grave. Ah oui, bien sûr, il y a un problème dans la Mishnah. Que Rabbi Eliezer, il a dit, pas soul, Rabbi Eliezer possède, il invalide. Il aurait dû dire pigoul. Ouais. Invalider un corban, c'est une chose, et le rendre pigoul, c'est quelque chose de beaucoup plus grave, où il y a un interdit de carrette. Là, il a utilisé le mot possède, ça pose problème. Et Mefarchim m'explique que, parce qu'il a inclus, réellement, il y aura un pigoul. Si la personne au-delà des limites de temps, il y aura un vrai pigoul, il y aura un vrai chiouf carrette. Il a utilisé le mot possède parce qu'il a aussi inclus l'intention aussi. De l'interdit aussi de rendre pas saoul s'il a eu l'intention de manger au-delà des limites d'espace, de sortir dans les endroits qui ne sont pas permis, et que là il n'y a plus de carrette, c'est quand même pas saoul, c'est pour ça qu'elle utilisait le mot possède. Ok, on continue la Mishnah avec une petite introduction. Je vous ai rapporté que Rabbi Eliezer a un pasouk, veim he'achol yachel, une juxtaposition entre ce qui est mangé et ce qui est consumé sur le misbéach. Qu'est-ce que Chachamim déduit de ce pasouk? Ils utilisent quand même cette juxtaposition, mais pour apprendre autre chose. Pour apprendre la quantité requise pour transgresser, pour rendre le pigoul. En l'occurrence, c'est ce qu'on va voir tout de suite, il faut une intention soit de manger un kazaït au-delà des limites de temps, soit de brûler un kazaït au-delà des limites de temps. D'accord? C'est-à-dire, s'il a eu l'intention de... Il a soulevé le comète avec l'intention de manger un demi-zaït, le volume d'une demi-olive, de le manger demain, alors tout son corban ne va pas être pigoul du tout. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas eu l'intention sur au moins un kazaït, parce que la Torah insistait sur « Remhe achol yeachel », ce qui est mangeable, ce qui est consommable, et dans la Torah, la achila, ça s'appelle pas, c'est pas une teima, c'est pas le fait de goûter. Une achila, c'est quelque chose qui nourrit un tant soit peu, donc c'est un volume d'une olive au minimum. Et puisque ça a été exprimé, la consommation, même pour la consommation, ce qu'il doit monter au misbéach, on va déduire que même ce qu'il doit monter au misbéach aussi, il faut qu'il ait l'intention de brûler au moins un kazaït au-delà des limites de temps. Et c'est ce que la Mishnah m'enseigne. L'échol d'avar shidarko l'échol. L'haktir d'avar shidarko l'haktir. S'il a eu l'intention de manger quelque chose qui doit être mangé, ou de brûler quelque chose qui doit être consumé, mais par contre mi kazaït, avec une quantité inférieure à un kazaït, kacher. Le commun est kacher. Ok. Troisième Alakha de notre Mishnah maintenant, puisqu'on a appris maintenant qu'il faut au moins un kazaït. Et on a appris qu'il y a des choses qui doivent être consommées et des choses qui doivent être consumées. Qu'est-ce qui se passe s'il va composer son zaït, son volume d'une olive, avec la moitié, un khatsi zaït, la moitié de ce qui doit être mangé et la moitié de ce qui doit être brûlé. Comme ça, il a eu l'intention sur un kazaït. C'est-à-dire, je m'explique. Il va prélever le commerce de la mincha avec intention de manger un demi-zaït demain et de brûler la demi-zaït, le volume, la moitié d'une olive, demain, sur le misbéach. Alors la Mishnah va m'enseigner que le korban sera kasher. La mincha sera kasher parce que en achila ve'aktara mitztarfin. On fait ça dans le bon traduit. L'echol kachatizait ou l'aktir kachatizait. Avec l'intention de manger une demi-olive et de brûler une demi-olive. Le korban sera kasher. Il est kasher pourquoi? Shen achila ve'aktara mitztarfin. Car ce qui doit être consommé et ce qui doit être consumé ne s'associe pas. Ouais, c'est deux. Pour associer deux choses, il faut deux choses associables pour pouvoir les associer. En l'occurrence, ce qui doit être mangé et ce qui doit être brûlé, c'est deux entités complètement distinctes. Et de ce fait, il faut soit que tu aies une intention sur un zaït, sur ce qui doit être consommé, soit sur ce qui doit être consommé, mais pas mélanger les deux intentions, ça sert à rien. D'accord. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous souhaite une journée pleine de Hatzlacha Kol Tov. Salam.